Pas de chaleureuses poignées de main, comme de tradition en pareille circonstance, le respect des mesures barrières oblige dans ce contexte pandémique. Mais c'est bien pour cette raison, c'est-à-dire appuyer financièrement le Gabon dans sa riposte contre le coronavirus, couplé par la relance de l'économie nationale, que le représentant résident du FMI est reçu par la patronne de la primature. On essaye d'avoir ce type de discussion à tous les pays du monde pour vérifier comment le Fonds monétaire international peut aider ces pays à avoir cette riposte économique, sociale et sanitaire pour cette deuxième vague de la Covid, et comment en même temps s'assurer qu'on fait la relance de l'économie et on réduit la charge de la dette. Donc, relancer l'économie tout en réduisant le taux d'endettement, un endettement dont le taux est aujourd'hui au-dessus du seuil communautaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui est de 70% du produit intérieur brut. La situation est préoccupante au point de susciter un accompagnement du partenaire financier en quelques étapes. Il faut soigner les patients avant de penser sur la relance économique. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est comment avancer dans la relance. Et là, je pense que le gouvernement a annoncé récemment un nouveau plan de développement, le PAT, qui c'est très intéressant et que nous discutons donc comment le mettre en place, comment s'assurer qu'il y a des financements pour cette plan, en même temps qu'on garde le niveau d'endettement soutenable. Le gouvernement gabonais a lancé en février dernier un plan triennal d'accélération de la transformation 2021-2023. Ce dernier vise à stimuler la transition vers l'après-pétrole en activant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant le modèle social du pays. Le Gabon, qui a achevé en juin 2020 un accord triennal élargi au titre du mécanisme élargi de crédit, approuvé le 19 juin 2017, a déjà reçu du Fonds monétaire international une enveloppe de 250 millions d'euros au titre de l'instrument de financement rapide pour lutter contre le coronavirus.